5,6% d'inflation contre 5,5% en septembre. À première vue, l'économie sud-africaine n'a pas subi de fortes répercussions à la suite des grèves dans le secteur minier. Une légère hausse de l'inflation, mais pas de quoi tirer la sonnette d'alarme, d'autant que c'est l'alimentation qui semble en être la cause. Les prix ont grimpé de 6,3% en octobre dans le secteur. Quant à l'indice de confiance des entreprises, il n'a baissé que d'un petit point, passant de 47 à 46. La confiance semble donc s'être maintenue et les derniers chiffres publiés sont encourageants. Le PIB s'est établi à 3,2% le second trimestre contre 2,7% au premier trimestre. Les économistes sont tout de même en alerte. Les grèves qui ont éclaté au mois d'août dans la mine de Marikana devraient peser sur le secteur. Cette mine représente près de 18% de la production totale du platine du pays, un chiffre significatif quand on sait que le platine constitue 27% de la production minière globale. La Banque centrale d'Afrique du Sud vient d'ailleurs jeudi 22 novembre de revoir ses prévisions à la baisse. Estimée à 3,4%, la croissance du PIB a été réévaluée à 2,9% en 2013. Elle a néanmoins laissé inchangé son taux de base afin de ne pas alimenter une inflation déjà suffisamment élevée.